avril 1999, les autorités vietnamiennes inaugurent le nouveau pont de Hinh Luong sur le fleuve Ben Hai. C'est là, sur le 17e parallèle, que les accords de Genève en 1954 ont tracé la ligne de partage du Vietnam. Les quatre pays divisés au temps de la guerre froide, l'Allemagne, la Corée, la Chine et le Vietnam, seul le Vietnam, tant au nord qu'au sud, a refusé sa partition et l'ordre mondial des supergrands. Il lui a fallu 15 ans de guerre acharnée pour abolir cette frontière imaginaire. Pour les Vietnamiens, le vieux pont Hinh Luong est un symbole vivant de ces 15 ans de sacrifice, de lutte du tigre contre l'éléphant, du tiers-monde contre l'Occident. Luôn luôn là đấu tranh nó thống nhất đất nước, cũng có cũng như theo cái lời của bác Hồ nói, tôi cũng có một cái lực lượng nào mà chia cắt đất nước ta được cả, cho nên như mình là cứ là đấu tranh là một cái mối thống nhất, cho nên câu là ở bên kia là họ là cứ là sơn này, là ví dụ là sơn sơn, mình sơn đỏ thì họ sơn xanh, mà mình sơn xanh thì họ sơn vàng, cho nên mình là cứ họ sơn đỏ là mình sơn đỏ. Họ sơn sân là mình sơn sân. Ngày họ sơn sân là mình đêm và sơn sân. Mà ngày họ sơn đỏ là đêm mình và sơn đỏ. Sơn cho đồng màu. Không có một cái hội thống nhất chứ không thể là. La conférence de Genève met fin à 8 ans de guerre et 100 ans de colonisation française. Malheureusement, en imposant deux États antagonistes, elle est elle-même porteuse de guerre. Alors qu'au nord, Ho Chi Minh édifie un Vietnam socialiste, au sud, Nguyen Diem s'appuie sur les catholiques pour instaurer une république viscéralement anticommuniste. Des élections générales pour unifier le pays sont prévues en juillet 1956. Elles n'auront jamais lieu. Diem, qui craint que Ho Chi Minh l'emporte, s'y oppose. La Chine, qui a imposé la frontière du 17e parallèle, redoute la réunification. Les États-Unis, qui n'ont pas signé la Convention de Genève, soutiennent Diem et l'assistent militairement en violation flagrante des accords. Au sud du Vietnam, s'installe un régime de terreur blanche.